Ben non. Faut pas le pirater, on peut pas faire E. Bon, ok. Je vais laisser le profiler activé. Faut que j'arrive à suivre les faisceaux là. Donc il y en a un qui part par là. D'accord, ok. On va voir ça, je sais s'inscrire. Ok. J'en ai trouvé un. Quitter la zone de mission. Bah ouais, mais... Il est là-bas le truc. Ascenseur. Puis là, il y a une caméra. Voilà. L'ascenseur donc qui servait à rien. Ok, j'ai le premier terminal. Il faut que j'arrive à monter là-haut. Ah bah le deuxième il est là-bas. Donc avec celui-là, je vais pouvoir trouver. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il m'indique toujours. C'est pour ça que je voulais. Voilà. Alors, ok, encore un truc comme ça. Ouais, ok, c'est A, évidemment, toujours A. Ok, donc ici on déverrouille ici, on déverrouille là. Et ça, il faut qu'on le mette. Dans un premier temps, on va le mettre comme ça. Pour le déverrouiller. Après ça, on le tourne comme ceci. On le déverrouille. Ok. Ok, bon, ce sont juste des puzzle games, évidemment, hein, ils auraient pas pu nous faire saisir du code, hein, ça aurait pas été user friendly. Mais bon. D'accord, ok, je suis obligé de passer ici. Ici, il y a une espèce de routeur bizarre. Ah oui, non, oui, c'est la source du truc, ok. Ok, donc là ici on est bon. D'accord, ici. Donc ici je peux faire ça. Ici je peux faire. Ah, ok, c'est ça. Ok. Bellwether, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être des calculs mathématiques. T de A union B. C'est la proportionnalité. Enfin, c'est de la probabilité. Epsilon. Donc c'est ici. Ouais, non, ça veut pas dire grand chose en fait des calculs là. C'est vraiment pour faire style en fait. P est égal à A ou B. Bon, admettons. Non mais je regardais un petit peu le... Ah ouais, ça c'est mieux comme ça. X égale 3. Prendre un screen de ça. Hop.
C'est pas au cas où ça voudrait dire quelque chose. Allez. Non, ah d'accord, on a piraté la webcam. Moi aussi j'ai souffert. Ok. Pirater le téléphone. Oups, ah putain de Windows. Damien Brinks. Mais à quoi il joue? Désolé pour la partie de cache-cache. Je voulais voir si t'avais pas trop perdu la main. Faut qu'on discute. Mais avant ça, tu dois te dépêcher. Ta petite cascade a déclenché une alarme. C'est pas ce que j'avais prévu. Mais on va pas tarder à être interrompu. Alors si tu t'en sors, rejoins-moi. Je choisirai un endroit sympa. Pourquoi s'en prendre à ma sœur? On s'est pas parlé depuis le Merlot. Je crois qu'on a une nouvelle cible pour vous. Laissez tomber votre taf en cours et concentrez-vous là-dessus. Ok. Ok. Putain, mais quand toi, t'as le cul. Oh merde. Bon. Ok. Excusez-moi. Bon, on va bien. Ok, deux snipers. Je veux pas faire péter la bagnole là. Hein? Comment il m'a eu lui? Hein? Comment il m'a eu le mec? Bon. Allez, hop.
Reviens, allez. Oh la vache! Ah d'accord, oui, merde, il y avait des bonbonnes de gaz à côté. J'ai des vues en plus, mais je me suis dit... Ah bon! On va peut-être y arriver, non? Ouais, je l'avais buté, hein. Allez. Et bing! Qu'est-ce qu'il y a? Ok, Damien. On va discuter. Oups, c'est pas ça que je voulais. Ouais, bon.
Hop, non, c'est bon, c'était par là. M'en fous, c'est pas la mienne. Bon, non. C'est majuscule que je voulais. Bon, sinon, le truc du ralenti, c'est pas encore au point. Hein. Je sais pas. Parfois, on appuie dessus, mais ça se déclenche avec le mouvement qu'on fait après. En fait, j'ai l'impression que... Ouais. Et vous avez bien raison, madame. Personne n'a envie d'être envahi dans sa vie privée. Surtout pas moi. Donc j'ai des choses à cacher, mais c'est sur le principe. Ça alors, comme il est malin. Tu m'as tourné. Salut Damien. Dis-moi que je t'ai manqué. T'as demandé à Staré d'appeler ma sœur. Ah, c'est pas vrai, j'ai oublié de brancher mon casque. Bah désolé pour le son pourri de ma voix. Je sais que t'es dans une impasse en ce moment. Donc, je viens avec de bonnes nouvelles. L'affaire du Merlot. Le Merlot. Le Merlot, c'était ta faute. Mon cul. C'est toi qui as lâché un plan en or. Personne n'aurait rien su si tu étais resté avec moi. Il a énervé les méchants, et moi alors? Quoi, toi? Tu crois être le seul à souffrir? Ils m'ont estropié! Ils m'ont tout pris! Tu sais si... C'est ça qui nous unit. J'ai pas besoin de toi. Gros taré. Il y avait un autre hacker. Il y avait un deuxième hacker. Et je sais comment le trouver. Je suis ravi pour toi, Damien. Seul, t'y arriveras pas. T'as besoin de moi. Le problème, c'est que moi, j'ai pas besoin de toi. T'en veux pas. Je t'ai donné une piste. Merci pour l'info. Bon, Je l'admirais, Damien. Il m'a appris à identifier les failles dans un code et à les exploiter. Moi, je lui ai appris à faire la même chose, mais sans ordinateur. Les gens sont souvent plus vulnérables que leur système. On faisait une bonne équipe. Après Lena, j'ai coupé les ponts avec lui. Je voulais plus jamais en entendre parler. Mais là, il revient à la charge. Bon, ok, je vais juste faire une coupure pour brancher mon micro, parce que là, le son, il doit pas être terrible. Et puis bon, bah, excusez-moi si ces deux épisodes, ouais, ces deux épisodes, ont pas été de bonne qualité au niveau du son. Voilà. Bon, bah, à tout de suite avec un meilleur micro, enfin, avec le micro branché au moins. Ok, donc, et ben, nous nous retrouvons avec le micro branché. Normalement, on doit être à l'épisode 7 pour maintenant. Ouais, déjà. Thank you.
Ok. Ouais, on va se faire cette petite. Ça doit être ça. Il est tout près d'ici, je le sens. Ouais, non, je me suis fait peur. Allez, merci, au revoir. Et le profiler, hop. Hop, désactive le profiler, voilà, merci. Alors par contre, je compte un peu plus me balader dans les rues. Voilà, on va laisser le profiler activé, puis dès que je peux pirater quelqu'un, je le fais. Donc il faut apparemment que quelqu'un soit avec son téléphone pour que ça puisse le faire. D'accord, ok. Bon, bah on va aller à la station de métro la plus proche. Hein, pour commencer. Bah elle est là. Bon. Oups. Bon, ne faites pas ça. Bon, trajet rapide. Ok, et apparemment le plus proche c'est là. Ok. On va... On va choper une bagnole et puis on va y aller. Alors franchement, au niveau du style, ils ont bel et bien repris... ah, intéressant. Et j'ai pas encore conduit une moto. Ouh. Ouah, trop classe. Ouh.
Ma bagne... Eh, hey, ma moto! Bon. Bon. perdu ma moto. Ok, la moto elle fait carrément... Oh, j'en reprends une. C'est obligé, j'en reprends une. CP pour le mobile. Véhicule à la carte. Moto. Commandé. Excusez-moi, il fallait que j'éternue. Bon. Un crédit non remboursé, profession de gardien, 40 ans. On m'a dit de regarder davantage. Ah bah t'es belle. Toi. On m'a dit qu'il y avait pas mal de choses assez marrantes. Tu es mon frère.
Jackson, c'est toute ma vie. J'hésiterai pas une seule seconde à t'abandonner pour le protéger. Promets-moi que tu vas arrêter. Tu peux plus rien pour Lena. Je l'ai tué. Non, c'est faux. Je t'en veux pas. Mais promets-moi que tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Promets-le-moi, au nom de notre famille. Je te le promets. Smith, quart d'heure émotion. Bon. Un peu glauque le fait qu'on puisse sauter par-dessus la tombe de sa nièce, quoi. Ça fait un peu glauque. Je crois que t'as un problème. Y'a un mec du stade qui a survécu. Si il se met à parler, tu seras identifié. Il a survécu. Comment c'est possible? Bah, j'imagine qu'il est pas mort. Mais t'inquiète, hein, j'ai un plan. Retrouvons à Gorman Heights sur le toit. Bon. Allez. J'ai toujours le profiler d'activé, oui. On m'a dit qu'il y avait des choses assez marrantes sur les gens à voir, mais... C'est bien parce que c'est un jeu vidéo, parce que... En vrai, bien sûr, je m'amuserais pas à ça.